Salut Healers, dénomation, kinésiologue, j'espère que ça va bien, j'espère que tu es en forme, que tu as passé une belle semaine. Je veux te dire félicitations, c'est incroyable, on est rendu à la 12e semaine. Tu pensais-tu que tu allais faire genre 3 mois d'entraînement avec moi? C'est fou. Il y en a qui ont débarqué, il y en a qui ont rembarqué, il y en a qui l'ont fait tout le long. Si tu l'as fait tout le long et tu es rendu à la fin, écris-moi un commentaire juste en dessous. Je veux savoir où tu es rendu, comment tu te sens et tout. Donne-moi tes impressions. 3 mois d'entraînement avec la chaîne YouTube, c'est malade. Mais reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais t'annoncer ce qui se passe pour la prochaine semaine. Fait que j'ai une petite surprise pour toi. Fait que, et voilà, fait que je vais avoir une petite surprise pour toi. Pour la semaine prochaine, puis reste jusqu'à la fin du training. Je vais t'expliquer ça en long et en large, mais je vais essayer de faire ça court, c'est certain. Donc aujourd'hui, dans le fond, la 12e semaine, tu commences à être habitué, on garde les mêmes charges, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rajoute un nombre de répétitions. Et si tu te sens quand même assez fort, tu peux rajouter un petit peu de charge pour faire des séries de 10. On va faire 2 séries de 10 ou 2 séries de 12. 2 séries de 10 avec les mêmes charges ou 2 séries de 12 si tu es capable de pousser un peu plus. Fait que ça va faire du bien, ça va brûler, ça va chauffer, puis on va réduire un peu le temps de repos aussi. Vu que tu es rendu en forme, on va réduire ça. Fait qu'un petit peu moins de repos, ça va travailler plus. T'es prête? 15 secondes de jumping jack. On part. Let's go! Encore 10 secondes. On respire bien. Encore 5, 3, 2, 1. Parfait, on lève les genoux hauts pour 20 secondes. Encore 15 secondes. Let's go, let's go. Encore 10. Encore 5. 4. 3. 2. 1. Parfait. On met les talons fesses. Fait que talons fesses pour 20 secondes. On échauffe bien les cuisses. Encore 10 secondes. On respire bien, c'est bon. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Aujourd'hui, on peut ajouter un petit exercice d'épaule. J'ai l'impression que j'étais un petit peu stiff des épaules. Toi, peut-être, tu peux faire un petit peu des épaules avant, arrière, comme ça, ça va faire du bien. Ça va descendre un petit peu la fréquence cardiaque. Tu verras que les petits cercles ici, c'est bon. Moi, j'ai des pectoraux un peu plus stiff, un peu plus raides aujourd'hui. C'est bon, c'est chauffé juste un petit peu plus. Donc, un petit peu en avant. 10, 15 secondes. All right. Un petit peu avant arrière encore. 5 secondes. Parfait. Ça délousse un peu les épaules. Ça active la circulation sanguine. Ça augmente la lubrification dans les articulations. On y va par en arrière. Un petit peu par en avant. Oh yeah, c'est parfait. C'est bon. On y va avec les squats. 2 séries de 12. On prend les poids. Les bas du dos. Le bas du dos dans le ballon ici. On descend jusqu'en bas, on monte jusqu'à 12. Ça, c'est 1. Let's go. 2. 3. 4. 5. 6. Encore 6. 5. Dos bien droit, les abdos serrés. 4. 3. Encore 2, c'est bon. Dernier moment. Oh yeah, c'est bon. 15-20 secondes de repos. Comme j'ai dit, on prend un petit peu moins de repos. Tu peux aller jusqu'à 45 secondes, mais je suis sûr que tu es plus en forme. Fait que réduis ça. 30 secondes si tu es capable. 20 secondes, c'est encore mieux. Ça va aller vite. Ça n'y est pas aujourd'hui. On repart. On y va pour 12. Let's go. Come on. Pour 12. 1. 2. Come on. 3. That's it. 4. 5. Come on. 6. Encore 6. Ça va bien. 5. Ça commence à chauffer un peu. 4. 3. On sent les cuisses, là. 2 autres. Oh yeah, un petit dernier. One more. Let's go. Oh yeah! C'est bon, c'est bon. Oh yeah! On prend moins de temps de repos aussi avec le prochain exercice. On passe tout de suite au sol. Je vais changer l'angle de la caméra. Alors, on vient au sol. Derrière de cuisse, super important. On commence à connaître un peu les principes. Fait que sur le dos ici, les mains sur le côté, on lève les fesses, on y va pour 12. 1, let's go. 2, on allonge complètement. 3, on explose en montant. 4, 5, 6, encore 6, 5, 4, 3, 4, 2. On squeeze comme pour en arrière, en dernier. Oh yeah, parfait. 15-20 secondes de repos.
Fait qu'après 3 mois, est-ce que tu sens que t'es de plus en plus en forme? Après 3 mois, on commence à sentir les changements, même le corps se transforme. J'ai les Ewlers qui ont perdu 10 à 12 livres en 3 mois, c'est excellent. 1 livre par semaine, là, c'est parfait. 2 à 4 livres par mois, c'est parfait, pas besoin de plus que ça. Encore là, le poids, la balance, on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment on se sent. Faut bien se sentir. On repart. On y va pour 12. Let's go. 1. Come on. 2. 3. 4. Come on. 5. 6. Encore 6. 5. On squeeze comme il faut. 4. 3. Let's go. 2 autres. Oh yeah. Ça chauffe. Un dernier. One more. Oh yeah. Ouh. Fait du bien. Travaille derrière des cuisses. Oh yes! Prends une petite gorgée d'eau. Je te donne la permission. C'est important de boire de l'eau toute la journée. Est-ce que tu bois de l'eau dans la journée? J'espère que oui. Super important. Le corps fonctionne mieux quand il est hydraté. La prise de poids est associée aussi à la quantité d'eau qu'on boit. Si on ne boit pas assez, on prend plus de poids. Même chose pour le sommeil. Si on ne dort pas assez, le poids monte. Prochain exercice pour le dos. Le poids ici, tu commences à connaître. Qu'on tire ici, bien haut. 2, on y va pour 12. 3, cab. 4, 5, 6, encore 6. 5, 4, 3 autres. 2 autres. Un dernier, on est bon. All right, parfait. L'autre côté pour 12. 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, cab. 7, on squeeze comme il faut, le dos en arrière. 8, c'est pas juste avec le bras. Encore 4, 3, 2. Dernier, on est bon. That's it, parfait. On change tout de l'autre côté parce qu'il y a eu un repos de l'autre côté. Comme je dis, on tire vraiment pas juste avec le bras ici, on tire le coude. L'épaule va bien haut, bien loin en arrière. 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, encore 6, 5, 4, 3. 2 autres, ça chauffe, un dernier. Oh yeah! L'autre côté. Let's go. 1, come on. 2, 3, 4, 5, 6, encore 6, 5, 4, 3 autres, 2 autres, un dernier. That's it, parfait. Wouh! Petit repos. On va prendre un petit repos 15-20 secondes avant de passer aux pectoraux sur le ballon avec les poids. On peut s'asseoir ici sur le ballon, prendre un petit break, 15-20 secondes, c'est bon. Je suis allé voir hier avec mon épouse. Je vous ai vu à Montréal, en fait, le 29 mars dernier. C'est dépendamment quand est-ce que tu regardes cette capsule-là. Tony Robbins est venu à Montréal. Fait que j'ai eu la chance d'aller passer la journée avec Tony Robbins. En fait, la fin d'après-midi avec Tony Robbins. Il y avait d'autres conférenciers dans la journée. C'était vraiment inspirant au bout. Beaucoup d'outils. Ces outils-là, je vais les intégrer dans mes capsules d'entraînement. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'ai passé un bon moment. J'ai appris beaucoup de choses que je veux inclure et je veux vous repartager. Je veux te repartager ça pour aider ta journée, aider ton quotidien. On va s'en reparler éventuellement. Pour le dos, excusez les pectoraux. On se couche sur le dos, en fait, sur le ballon. Avec les épaules, la tête sur le ballon, les poids sur le côté. On explose en haut pour 12. 1, 2. 3, let's go. 4, come on. 5, c'est bon. 6, encore 6. 5, 4, 3 autres. Ça va bien, 2 autres. Dernier, one more. Hooyah! C'est bon, petit break. Ouh! 15-20 secondes de repos. Je vais boire de l'eau un peu. Prends le temps de respirer. Prends le temps de te concentrer. Te concentrer où est-ce que tu es maintenant. N'oubliez tout le reste. Tout ce qui est important, c'est toi, c'est ton corps. Une autre fois, les pectoraux, let's go. On pousse. 1 pour 12. 2. 3. Come on. 4. Ça va bien. 5. 6. 7. 8. Encore 4. 3. 2. Un dernier, ça chauffe. Let's go. Oh yeah. Parfait ça. Woo! Ça va bien. C'est bon. On garde les poids ici pour les biceps. Un petit 5-10 secondes de repos. On n'y est pas aujourd'hui. Ça travaille. T'es en forme. T'es capable de pousser un peu plus. C'est bon. Yes.
Dans 5 secondes, on reprend les poids, on repart. Les biceps pour 12. 1. Au moins 10, ça va bien 12. 2. 3. Let's go. 4. Come on. 5. Hip. 6. Hip. 7. Encore 5. 4. 3 autres. 2 autres. Let's go. Un dernier, one more. Capable. Oh yeah! Ça chauffe. Ouh! On essaie de pas trop swinguer là-dessus. On reste bien solide, bien droit. Oh yeah! Avec un petit truc facile que j'ai appris de Tony Robbins, que j'adore, que je veux intégrer dans ma journée. Est-ce que tu manques d'énergie des fois? On va en reparler de l'énergie. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Mais une façon d'augmenter son énergie, en fait, c'est faire un mouvement pendant environ 30 secondes. C'est pas tellement compliqué. Juste s'asseoir droit, s'asseoir droit, juste être debout. On met les mains ici, puis on envoie les mains au plafond rapidement. Qu'on envoie les mains au plafond rapidement. Ici, ça dégage la cage thoracique. Ça augmente la respiration. Ça augmente la fréquence cardiaque. C'est physiologique. Ça, avec les neurotransmetteurs dans le corps, ça augmente le niveau d'énergie instantané. Fait que juste avant d'aller à un gros meeting, juste avant de faire quelque chose, que tu as besoin d'énergie, tu peux lever les bras dans les airs ici. Juste lever les bras ici, on dégage, on respire. Ça fait du bien, ça donne l'énergie. Fait qu'essaye ça dans ta journée à partir de maintenant. On part pour 12, les biceps. Let's go. 1. OK, en bas. 2. 3. 4. Jusqu'en bas. 5. 6. Encore 6. 5. 4. C'est bon. 3 autres. Let's go. 2 autres. Oh yeah. Dernier, one more. Come on. Ouh. Oh yes! Ouh. Travaille les bras, travaille les biceps, ça fait du bien. Oh yeah! Petit 15-20 secondes de repos. C'est plus raide quand on va plus vite, hein? Yes! On arrive presque à la fin de l'entraînement, il reste 3 exercices. C'est les épaules, les abdominaux, on va aller faire un super série. Prochain exercice pour les épaules, dumbbell press. Avec au-dessus de la tête, on y va pour 12, let's go! 1, 2, jusqu'en haut. 3, 4, les abdos serrés. 5, 6, encore 6. 5, 4, let's go. 3, come on. Dernier, deux autres, excuse. Un dernier, one more. Ouh, là. Ouh. Oh yeah, on niaise pas. Ouh, ça fait bien. On prend le temps de bien respirer. Ça peut prendre une petite gorgée d'eau. On va faire cet entraînement-là dans un temps record, je pense. Ça paraît quand on prend moins de temps de repos. En fait, c'est le même effort, juste en temps plus court. Fait que c'est pas nécessaire des fois de regarder les minutes d'activité physique, mais plutôt l'intensité de l'activité physique. De plus en plus, les études démontrent que l'intensité, c'est tout aussi, sinon plus important que la durée. Mais il faut que le corps soit prêt à prendre cette intensité-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut se rendre 3 mois d'entraînement. Déjà, on est capable d'en prendre plus. Une autre série? On a pris plus de break, je me suis donné un petit break de plus. On y va pour 12. 1, 2, 3, 4, come on. 5, yep. 6, 4, 6, 5, 4, let's go. 3, ça va bien. 2, let's go. One more, last one. Oh yeah! Woo! Excuse, il y avait les triceps avant les abdos. Petit break. On travaille les triceps dans quelques secondes. Juste avant de travailler les abdos. On fait un super set de triceps avec les abdos. On peut essayer ça. On va essayer ça ensemble. Ça va te donner un avant-goût de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Oh yes! On part pour les triceps. On y va avec les poids ici. On se couche sur le ballon. Avec la tête ici sur le ballon. Oh, oh. Les épaules ici bien à côté. On y va pour 12 pour les triceps. 1. Regarde. 2. 3, 4, 5, 6, encore 6, 5, 4, 3, 2 autres, et derrière au moins. Oh yeah! Parfait! Ouh. C'est bon, les abdos, tu connais le mouvement, on vient mettre les pieds sur le ballon ici. Pieds sur le ballon, on fait le jackknife, puis on ramène le ballon ici en dessous pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 4, 3, 2 autres, un dernier, one more. Wow!
C'est quasiment une demi pour moi. Là, on t'assied. Couché sur le ballon pour les abdos. Un petit crunch avec un twist. 1 pour 10. 2, on squeeze comme pour les abdos. 3, 4, on squeeze. On essaie de bien sentir. 5, 6, encore 4, 3, 2 autres. Dernier, one more. Oh yeah! Wouh! Ça, c'est plus intense. Prend moins de temps de repos, ça augmente la fréquence cardiaque. Si c'était un peu trop intense pour toi, c'est pas grave, tu peux y aller à ton rythme. Pas de problème. Moi, j'avais le goût de pousser un peu plus aujourd'hui avec toi. Prends un petit break. On peut prendre un plus long break là-dessus, là, 30 secondes au moins. Boire de l'eau, petite gorgée d'eau. Prendre le temps de bien respirer. Oh yeah! Si tu vois des étoiles, donne-toi du temps à revenir, c'est correct. Prends le temps de bien respirer, te repositionner, c'est bon. On recommence, dernière série, les trois ensemble, back à back. Pas de break. Pas de niaisage. On se couche sur le dos. La tête sur le ballon. Les poids en arrière de la tête, aux oreilles. 1, on y va pour 12. 2, 3, 4. On essaie de bien sentir les triceps. 5, 6, 4, 7, yep. 8, yep. Encore 4, 3, let's go. 2 autres. Oh yeah, dernier, one more, last one. Oh yeah. Woo. On n'a plus besoin des poids. On passe aux abdominaux maintenant. Pas de repos. Let's go. Les chevilles sur le ballon. Position push-up. On ramène pour 10. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5, 4, 3 autres, 2 autres. Un dernier, one more, last one. Oh yeah! Parfait. Ouh. Dernière série. Des crunchs avec le petit twist. Vous avez 5 secondes. Je t'attends de revenir. Pas tomber dans les pommes quand même. Ouh. C'est bon, sur le dos. Fait que juste dans le creux du dos aussi, c'est bon. Crunch, twist. On y va pour 10, ça va bien. 12, 2, 3, on squeeze comme il faut. 4, 5, 6, encore 6, 5, 4, let's go. 3, let's go. 2 autres. Oh yeah, dernier, one more. Oh, oh. Oh, ça pogne les abdos. Ah. Ouh, tough ça. All right, pour prendre une petite gorgée d'eau, respirer, ça fait du bien. Tu peux t'en poser, on a fait le workout, félicitations, c'est incroyable. Tu peux rajouter, évidemment, 3 fois par semaine, la marche, la course, ce serait super bon, que ce soit après l'entraînement, que ce soit séparé, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu le fasses. Sors dehors, va jouer dehors, va faire d'autres choses dehors. C'est important de faire du sport, prendre de l'air, ça me donne l'énergie, ça oxygène le corps. Alors, la surprise que je te réserve, si tu l'attendais depuis tantôt, c'est la semaine prochaine, on continue, mais on recommence. On commence en fait un nouveau programme d'entraînement. Fait que ce programme-là qu'on vient de faire ensemble de 90 jours, c'est un programme de remise en forme. Maintenant que tu es en forme, plus besoin de remise en forme, fait qu'on passe à un autre niveau. On passe au niveau 2 en fait. Fait qu'un entraînement un petit peu plus intense, ce qu'on vient de faire là, ça donne un petit avant-goût. Fait qu'entraînement un petit peu plus intense, on repart pour 90 jours, 3 mois encore. Je vais appeler ça « Prêt pour l'été ». Fait que si t'as des gens autour de toi que tu veux motiver, que tu penses qu'ils aiment bouger, qu'ils viennent bouger avec nous, ce programme-là est un petit peu plus intense. Fait que des gens qui font déjà un petit peu d'entraînement d'activité physique, qu'on passe à un deuxième niveau, des mouvements un peu plus complexes, un programme un peu plus intense, rapide aussi, c'est court. Moi, j'aime ça court et intense. C'est efficace, c'est bon. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, jeudi 16h, la même chose, mais un nouveau programme prêt pour l'été. C'est cool! Une autre chose qui s'en vient ici sur ma chaîne, c'est un vlog. J'expliquais que je veux faire un vlog plus personnel avec mes workouts, ce que je fais dans ma vie un peu plus à tous les jours. Je vais appeler ça ma fitness journey, en fait. My fitness journey d'être en forme, en santé, d'avoir de l'énergie. Fait que je veux partager ça avec toi. Fait que j'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, petit pouce en l'air. C'est le fun. Ça m'encourage, c'est cool. Parle-en à d'autres mondes. Partage la chaîne, partage la capsule. Je veux qu'il y ait plus de monde qui vienne s'entraîner avec nous autres. Écris-moi un commentaire aussi. Dis-moi comment t'as aimé ça. Comment ça a été ces 90 jours-là, je veux le savoir. Fait que mon nom, c'est Dino. On se reparle la semaine prochaine pour une nouvelle capsule d'entraînement. On se revoit bientôt et surtout, bouge mieux!